C'est bon, je suis arrivé au fond. Bon, alors d'après ton signal, t'es sur les coordonnées. Tu vois notre cargaison? Pas encore du moins. Et toi, tu reçois un signal là-haut? Malheureusement non. Ok, je vais continuer à descendre le courant. Bien sûr, tiens-moi au courant. Je le ferai. Hey, d'après ma montre, il te reste un quart d'heure de bouteille, tu veux remonter? Non, ça va aller, ça doit pas être loin. Si tu la trouves pas vite, j'annule tout. Je vais la trouver. Ok. J'ai quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? Padrouille, la bonne couleur, elle s'est peut-être déchirée en heurtant les rochers. Je comprends rien. Désolé. On dirait un morceau de notre épave, elle doit pas être bien loin. Tu m'intéresses là, Drake, tu m'intéresses. Ah, le voilà enfin. Je l'ai trouvé. Super. De quoi elle a l'air? Elle a souffert, mais elle est entière. Qu'est-ce qu'on a là? C'est bon, je vois l'intérieur. J'ai l'impression que la plupart des caisses sont là. Tu peux me donner le compte exact? Ouais, il va falloir que j'aille à l'intérieur pour ça. Attends. Bon, c'est parti. Voilà. Oh. Salut les petits gars. C'est bon, je suis dedans. Ah, on dirait qu'une grande partie est encore attachée. Alors, on en a une, deux, trois, quatre. Bon, si j'ai bien compté, il manque deux caisses. Je vais aller voir si je les trouve. Attends, tu crois pas que tu devrais d'abord remonter pour te ravitailler? Je suis sûr que la caisse... J'en ai trouvé une. Ah, merde. La caisse est coincée sous la remorque. Voilà ce qu'on va faire. Tu ranges l'autre, et après, on te soulèvera la remorque. Ah, tu vois, c'est pour ça que tu touches les grosses primes. Ouais. J'ai trouvé l'autre caisse. Une de trouvée, plus qu'une. Mets-la dans la remorque, on arrive sur ta position. Ça marche, à tout de suite. Voilà, une caisse sécurisée. Pile poil, on est juste en dessous de toi. On descend les élingues. Voilà, ça descend. Ok, tout est en place. Accroche la remorque. On va la soulever un peu pour toi. Ok, j'ai le câble. Je vais essayer de l'enrouler autour d'un des essieux. Ça devrait marcher. Ouais. Voilà pour le premier. D'accord, garde un œil sur ton oxygène. Ouais, c'est bon. Voilà pour le deuxième. La remorque est attachée, à toi de jouer. Ok, écarte-toi, on va soulever. C'est quand vous voulez. Et on la remonte. Ok, ça te suffit? Ouais, parfait. La lâchez pas sur moi. Je te promets rien. Ok, c'est bon. J'ai l'autre caisse. Maintenant, je vais l'attacher avec les autres. Thank you.
reste encore 5 bonnes minutes d'oxygène. Bon sang. Alors dans ce cas, tu devrais peut-être rester en bas, voir si tu peux pas trouver d'autres trésors. Non, ça va aller. On te remonte? Ouais, pourquoi pas. Reviens-moi une fois sur les élingues. C'est bon, je suis en position. Allez, sors-moi de là. Ok, ça roule. C'est parti! Regarde-moi cette beauté. Comment tu te sens? Mieux maintenant que je suis sorti de la rivière. J'ai pué le poisson pendant une semaine. Ok, on vient te chercher un peu de patience. Je patiente. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je le rattrape. Ok, tiens. Super. Dis donc, elle est légère cette bouteille. Eh, hey, avoue que je te facilite la tâche là. Je t'avoue que c'était pas la plongée la plus reposante à laquelle j'ai assisté. Attends, c'est un compliment? Parce que là, j'en peux plus. Non, tu sais ce qui est impressionnant? Ton odeur. Je sais pas trop, moi je l'aime bien. Ça me fait penser à ta mère. C'est pas cool, mec. Je vais lui dire que t'as dit ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on a tout? Il manque rien du tout. On passe pour des guignols à côté. Sans vous, j'aurais rien pu faire. Là. Faut la signature ici. Ok. C'est fait. Si seulement il passait tout ça en numérique. Le gouvernement a toujours 10 ans de retard. Hey! Vous en avez encore pour longtemps? On vient tout juste de sortir ce truc de l'eau! Laissez-nous encore une bonne heure! Bien, mais faites-le plus vite alors! On a des cargos en attente! Vous en faites pas! Attends un peu. Kikou. Ça va pas, laisse-moi lire ça. On en reparlera plus tard. Mon héros! Allez, voyons ce que t'as rapporté. Et si tu laissais la main à quelqu'un d'autre la prochaine fois, t'as droit à une pause? Ça ira, merci. Je préfère plonger plutôt que de rester coincé derrière un bureau. Eh ben écoute, quoi qu'il en soit, le prochain plongeon sera pas pour tout de suite. Comment ça? Et le boulot de jeudi, alors? Mm-mm. Arrête, tu rigoles. Une meilleure offre. Non, mais c'est pas vrai. Eh, la concurrence est rude. Et si on regardait ça de plus près, maintenant? À toi l'honneur. Ouais, bien sûr. Merci. Waouh ! Regarde-moi ça. On a trouvé du cuivre. Bah, tu serais surpris de savoir combien ça peut rapporter. Les clients paient une fortune pour un lot comme celui-là. Tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces ? Allez, viens, on va fêter ça. Je fais la première tournée. Faire la tournée des bars avec vous? Non, non, non. À moins qu'il y ait une prime de risque. Ah, si ça t'embête pas trop, je préfère aller m'occuper de la paperasse. Et rentrer direct me coucher après. La prochaine fois?
Si tu veux, c'est toi qui vois. Hé, hey, t'as fait du bon travail. Merci. Du cuivre. Hé, hey, hé, hey, Nate! Nate, attends. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur l'épave au large des côtes malaises. Oh non. Ah, et le bateau est intact. Ouais. La marchandise nous tend les bras. T'es pas du genre à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement. On a tout ce qu'il faut. Sauf, bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job. Le seul. Et lui, il se dégonfle. Je te signale que je me suis jamais engagé. Et puis ton fameux contact, là... Il a les autorisations? Non, il n'a pas les autorisations, mais on s'en fout complètement de la paperasse. Bah tiens. Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de concurrence. Le bateau est à nous. S'il n'y a pas d'autorisation, moi je viens pas. Nate, il y a assez pour qu'on prenne notre retraite. Pour qu'on se la coule douce tous les deux. Alors je sais pas pour toi, mais moi je tiens pas à faire de la récup jusqu'à mes 60 ans. C'est ce que tu veux? C'est mieux que la prison. Écoute, je vais faire l'impasse. Et tu devrais en faire autant. Bon, mais garde ça avec toi. Fais-moi plaisir, mais ok? Mais je risque pas de changer d'avis. Tu sais que la nuit porte conseil, tu le sais. Salut Carla et les enfants de ma part. D'accord. Je veux pas te forcer, Nate. Mais tu devrais y penser. Vraiment tout prévu sur ce coup-là. Ça réduit la zone de recherche. Ça nous ferait une sacrée belle trouvaille. Ah, l'enfoiré. Non, non, pas question. Toi, tu vas rejoindre tes petits copains. Un jour, j'ai escaladé ton grand frère. Ça, c'est l'un des trucs les plus bizarres que j'ai récupéré. Doublon espagnol trouvé dans un sous-marin allemand au beau milieu de la jungle. Complètement improbable. Sir Francis Drake a pris une balle à la place de Sully. La fine équipe. Francis et ses énigmes complexes. Ils sont nombreux à s'être entretués pour en avoir un bout.
Shambhala. Ça fait un bail. C'est plus tellement mon style maintenant. Cool. Voilà. Viens me battre. Dans le mille. Et bim. Et bam. Mange-toi ça. Ouais. J'arrive tout de suite. Bon, rien à plus. Je fais le ménage un jour. Allez, fini la récré. Ah, on aurait vraiment besoin de prendre des vacances. Ça remonte à quand ? C'est là-dessus que tu bosses ?
T'es resté drôlement longtemps là-haut. En fait... Je cherchais un truc. Oh, alors c'est comme ça qu'on dit maintenant ? Non, je te jure. Et tu veux bien finir le repas ? J'aimerais bien finir mon truc là. Ah oui, pas de problème. Super. Ben voilà. Voilà, c'est fait. T'as terminé ? Ouais. Tu sais, c'est sûrement trop long et bourré de coquilles, mais les correcteurs sont là pour ça. Oh la vache, je meurs de faim. Je vois ça. Alors, ta journée ? Quoi ? J'ai pas déchiffré. Oh, désolé, excuse-moi. Alors, et ta journée ? Oh, elle était sympa. Un jour comme les autres au paradis. J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière. Ouais. Alors, t'as eu la chance de te baigner. Et t'as eu des ordures intéressantes ? Oui, il y avait un truc pas mal. C'était un camion du début du 21e siècle. Superbe. Apparemment, les autochtones appellent ça un semi. Ouais. Non, c'est pas... Voilà, mais bon, rien de bien intéressant.
Parle-moi de ton article. Eh ben, au début, j'étais censée rédiger un fait divers qui tournait autour du tourisme à Bangkok, mais je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie parce que, en arrivant là-bas, impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poumons dès la descente de l'avion. Alors, ça a pris une nouvelle tournure. Ah! Quoi? T'étais où? Bah, là, agressé à la fourchette. Ouais, vraiment. Quoi? Bah, allez, continue, c'était super intéressant. Ouais, c'est vrai. Et sur quoi porte mon article? Quoi? Celui-là.